Ma Mission TV, le miroir du monde. Avec même un bon mandat, avec. Donc il est bon. Recevez la salle. Recevez la bien, la salle. Recevez la salle. Recevez la salle. Recevez la salle. Et ministre modèle qui adopte le nom même d'un président de la République qui vient de nous quitter. Pour vous annoncer la mesure que j'ai prise, il s'agit ici de lancer une mission d'audit de gestion dans tous les démembrements du ministère de transport. Gestion ezali kotala ba intérêt à ba salité toko kende libosote. Exhortation lelo et ali yangoana. Na ye koluka ba silina mutu ya libandi ya moto mokote. Mais moto na moto ako kakosala musala na ye. Ma Mission TV, le miroir du monde. Excellence, Monsieur le ministre, bienvenue et merci pour l'honneur que vous faites à l'OGPR. Merci. Des voies de communication et des désenclavements, Excellences, Messieurs les vice-ministres. Des voies de communication et des enclavements, Messieurs les présidents du Conseil supérieur du portefeuille, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et tous les responsables des différents établissements, des services et des autres secteurs pour une communication concernant leurs activités. Donc la réunion des séjours va être assez courte pour cette raison-là. Il y aura juste la communication de son équipe. Puisque nous sommes à l'OGFREM, c'est un cadre qui nous accueille, Monsieur DG. Pour, Excellence, c'est juste pour vous exprimer notre gratitude par rapport à l'honneur que vous faites à l'OGFREM. Vous avez bien voulu rencontrer tous les directeurs généraux de votre secteur et vous avez choisi l'OGFREM comme cadre de cette rencontre. Pour nous, c'est un grand honneur. Les agents et cadres de l'Office de gestion du fret multimodal, par ma voix, vous remercie et vous souhaite la bienvenue. Pour le reste, Excellence, c'est vous qui êtes à l'honneur. Merci beaucoup. Vous avez répondu à l'invitation que je vous ai adressée. Je voudrais ici aussi constater une chose. C'est que, conformément à la mission que je me suis assignée d'être le ministre du terrain, agir en proximité avec tous les démembrements qui constituent le ministère de transport, voies de communication et de désenclavement. Aujourd'hui, en descendant à l'OGFREM, je constate qu'il y a une certaine impulsion dynamique qu'il faut encourager. N'oublions pas que nous sommes encore tous sous les mesures barrières contre la COVID-19. La particularité ici, c'est que j'ai trouvé, je constate, qu'il y a un dispositif qui nous permet de rassurer les uns les autres.
C'est une manière de dire que tout le monde, là où il est, il ne faudra pas oublier que cette pandémie existe et qu'il est impérieux que les uns les autres nous prenions des dispositions utiles pour nous protéger. Ceci étant dit, si j'ai décidé aujourd'hui de vous réunir tous pour donner la communication, c'est pour que, comme on le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Vous le savez bien, en nommant le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement, le président de la République a voulu marquer de sa détermination, tant devant Dieu que la nation congolaise, de pouvoir commettre la République démocratique du Congo dans un avenir d'espérance. Un avenir d'espérance en construisant un État fort, prospère et solidaire. Nous qui sommes, qui avons la charge d'avoir été désignés par lui pour construire cet État fort, prospère et solidaire, nous devons donc cerner avec la meilleure lucidité possible quelles doivent être nos obligations par rapport à cette mission noble que nous assigne le chef de l'État. Compte tenu aussi de l'importance que revêt le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement, j'ai tenu à vous rencontrer ce jour pour vous annoncer la mesure que j'ai prise. Il s'agit ici de lancer une mission d'audit de gestion dans tous les démembrements du ministère de transport, communication, voie de communication et désenclavement. Cette mission d'audit me permettra d'avoir le diagnostic concret de tous les problèmes qui laminent notre secteur, car vous savez pertinemment bien, sans transport, voie de communication, et tant que la République démocratique du Congo continuera à ployer sous les pesanteurs de l'enclavement, il sera illusoire que nous puissions prétendre au développement de notre pays. Donc, en lançant cette mission d'audit dans tous les démembrements de mon ministère, je voudrais avoir des éléments rationnels qui puissent me permettre d'améliorer la gouvernance de notre secteur. Vous le savez pertinemment bien, c'est un secteur grand, mais il comporte aussi beaucoup de difficultés, beaucoup de pesanteurs, beaucoup de défis à relever. Avec l'appui de tout le monde, je pense bien que ces missions d'audit vont très bien se passer. Avant de les lancer, j'ai requis la participation du Conseil supérieur du portefeuille auprès de la ministre d'État, ministre du portefeuille. Donc, à ce jour, vous aurez le déploiement de ces experts du ministère du portefeuille qui ont été aussi invités dans cette cérémonie solennelle. Les termes de référence vous seront communiqués ce jour. Les ordres de mission, vous le recevrez aussi en bon ordre. Et tout ce que je souhaite est que vous puissiez leur accorder toute votre collaboration afin que les tâches que nous ont confiées le président de la République et le Premier ministre puisse être adressé de la manière la plus responsable possible. Il m'appartient maintenant là de préciser aussi une chose. En tant que ministre de transport, voie de communication et désenclavement, mon rôle ici n'est pas de venir chercher le pouls sur la calvitie de qui que ce soit. Mon rôle est d'impulser les actions concrètes qui pourront nous permettre ensemble de relever les défis nombreux qui sont les nôtres. Je suis donc là en train de chercher les voies et moyens pour vous pousser à l'action conformément aux orientations que m'ont données tant le président de la République que le Premier ministre. Je précise en passant que Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a dit à tous les ministres
que nous serons évalués. Tous les 6 mois, les ministres seront évalués. Alors, comme je l'avais dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Je voudrais vous annoncer que vous aussi, vous serez évalués. Avant que je ne sois évalué par le chef de l'État, il m'appartiendra aussi d'évaluer les collaborateurs qui sont mis à ma disposition pour savoir si, tous ensemble, nous avons assimilé les orientations nous données par le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État. Je ne serai pas très prolixe au cours de cette communication, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, il y a aussi Conseil de ministres. Je suis juste venu pour vous du gouvernement en participant à la réunion d'implication totale dans les objectifs que nous ont assignés le président de la République et le Premier ministre. Ainsi donc, nous allons penser ensemble être en mesure de relever ce défi de notre pays. Car vous le savez pertinemment bien, la République démocratique du Congo, depuis son accession à l'indépendance, endure un paradoxe humiliant. Ce paradoxe consiste à dire que nous sommes un pays béni de Dieu, avec des richesses prodigieuses. Nous sommes un scandale en termes de potentialité, mais aussi nous sommes un scandale en termes de pauvreté de nos populations. Et pourtant, nous avons des cadres qui sont bien instruits, qui sont bien outillés, qui sont bien avertis pour permettre à notre peuple de congédier ce paradoxe. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi donc nous devons toujours nous conforter dans ce destin d'insignifiance pendant que notre peuple aspire à un destin de bonheur, de prospérité en tant qu'un grand pays, un grand État au cœur de l'Afrique? Voilà l'ambition qui est la mienne aujourd'hui, c'est de relever ce défi avec l'accompagnement de tout le monde. Je sais par ailleurs que je ne suis pas le premier à être ministre des Transports, voie de communication et des enclavements. Je ne serai pas le dernier à l'être, mais je voudrais, avec la détermination de tout le monde, être digne de cette confiance que le chef de l'État a placée en ma modeste personne. Ainsi donc, j'apprécierai énormément la franche collaboration des uns des autres pour qu'ensemble, nous puissions nous dire, cette fois-ci, nous avons osé redorer les blasons ternis de transport, voies de communication, et que nous prenons des dispositions pour que réellement nous arrivions à désenclaver la République démocratique du Congo, qui par ailleurs demeure un trou noir au sein de notre sous-région. Donc voilà, madame, messieurs les directeurs généraux, monsieur le président du Conseil supérieur du portefeuille, au nom de monsieur le vice-ministre de transport, voie de communication et désenclavement, et en mon nom personnel, la communication que je me suis donnée la charge de vous annoncer, et je souhaite pleinement la franche collaboration, comme je l'ai dit, de tout le monde envers l'équipe d'experts que je viens de commettre dans cette mission d'audit. Encore une fois, que le Seigneur bénisse la République démocratique du Congo, que nous tous nous soyons le maillon qui puisse faire avancer notre pays sur la voie de développement et l'épanouissement harmonieux de notre peuple. Merci pour votre attention. Avec tous les déchets, si vous êtes... Excellence, bonne journée de travail. Merci beaucoup. Merci. Dans toutes les entreprises du secteur du transport, est-ce que vous vous y attendez et comment vous comptez vous y prendre? Bon, je pense qu'il faut retenir d'abord qu'il y a un nouveau gouvernement mis en place. Et l'audit, c'est un acte de gestion qui est normal. Je crois que
dans la recherche d'une gestion transparente, il est tout à fait normal que le ministre puisse faire l'état des lieux de son secteur. Et ça ne peut passer que par un audit de gestion. Je pense que c'est un exercice normal de gestion. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise. Et nous encourageons le ministre, effectivement, sur cette lancée-là, parce que ça va lui permettre d'abord de connaître les problèmes du secteur pour qu'il puisse proposer des solutions ou pour qu'il puisse apporter des solutions. Et nous attendons à ce que notre ministre puisse nous apporter des solutions, qu'il puisse nous accompagner. Donc nous accueillons favorablement cet audit de gestion qui vient d'être lancé. Et vous pensez que cet audit pourrait permettre à renforcer la croissance de productivité dans vos différents secteurs? Bien, je pense que dans tous les secteurs de la vie nationale, il y a des points forts et il y a des points faibles. Donc l'audit de gestion va permettre de comprendre ou va permettre au ministre de connaître les points forts de son ministère ou de son secteur et les points faibles. Les points forts, il va s'y appuyer et les points faibles, il va essayer de les corriger pour que ça devienne aussi des opportunités. Je pense qu'il ne faut pas interpréter ça autrement. Merci. Mon test ici, c'est le bureau du PCA du transport. Nous vous prions de choisir. Vous pouvez ouvrir Téléphone. Vous êtes à combien là? Qu'on ouvre un autre aussi. Et qu'on ouvre un deuxième conteneur. Ouvrez déjà l'autre. Oui, il y a dans la commission, on va approfondir avec la comptabilité pour pièce par pièce avant l'entrée au magasin. Tous les lots ici sont des carapins. Carapins. Laissez un peu le passage. Je vais prendre de l'assistance technique. Garder la voiture de la garantie et la bonne maintenance. Poursuivi du matériel d'abus. Oui, ça sert à rien. Le projet, le concept a été fait de sorte qu'on rien n'a pas fait. Donc il faut qu'il y ait un plan de base intégré, c'est intégré dans les choses. Gracias.
On va avec un bon massé. Recevez le ça. On vous a chier. Recevez le bon massé. Thank you.
disais, vous avez la télévision, il y a un petit service à bord. Le confort, oui, le il faut maintenir la maintenance. Oui, oui, faut vraiment insister. On n'a pas de raison de trouver des bus de confort entre Bruxelles et Paris. Et entre Kinshasa Matadi, Kinshasa Kikwit, on n'en trouve pas. Le confort ici, ça peut déjà combler ce vide. Il faut la maintenance, il faut... On en a, oui. Donc celui-ci et un autre qui... On a des commandes sont en cours. Les automates, c'est-à-dire les clients, oui. Quand un bus Transco arrive, ici on est au terminal. Nous le recevons, il est là. Il connaît le kilométrage d'arrivée. J'avais déjà communiqué que moi je vais faire un management de proximité. Je descendrai au niveau des unités de production, au niveau des établissements, au niveau des sociétés qui relèvent de mon ministère pour palper du doigt la réalité concrète de terrain. Le président de la République accorde une importance capitale à Transco pour nous assurer le transport en commun, transport public par l'opérateur public. Voilà pourquoi mon attention a été aussi retenue pour que je connaisse la situation concrète de terrain. Ce n'est pas maintenant que je pourrai faire l'évaluation. J'ai noté beaucoup de choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Je ferai l'état des lieux et je vais communiquer des dispositions pratiques à la gestion de Transco. Je salue la pertinence de l'assistance du président du conseil d'administration et j'encourage tous ceux qui travaillent à Transco de réajuster le tir parce que nous devons prendre de l'envol. Transco a un rôle fondamental à jouer
Et je pense que si chacun se met à travailler avec dignité, avec beaucoup d'abnégation, nous saurons relever le défi qui est le nôtre. Transco ne devra pas non plus rester simplement au niveau de Kinshasa. Transco a la vocation nationale et je vais impulser pour que les marques de Transco puissent être visibles aussi dans les différentes provinces de notre pays. Nazwaki décision à Koya Kota Labino. On appelle Sabino message. Message à gouvernement, message à président de la République. Secteur et à transport. Oto ali na yango bisonang binonang biso ezali secteur moko très important. Biso bato ya gouvernement na mokonzi ya mboka to konté mingi na service na bino musale bino bokoki ko sala. Yango nazali ko exhorter bino bo sala yango avec beaucoup de responsabilités. Na yebi pe lokola mikakatano ezanga kate na kozala à l'écoute na bino po ba difficulté oyo bozali komona to yeba elongo ndenge nini tokoki ko résoudre yango ndenge bozali ba agent message na ngai pe clair yango oyo bo considérer ndenge tolobaka na lopoto Transco société oyo et ali la poule aux œufs d'or. Ce qui Transco et Alité Lelo, Bino Bokozala Moussalate. Donc, devoir et Aliboso na Sengi Bino, Moto na Moto et Sika ya Moussala o Yazali, Ayeba pe Kosala Moussala na en Alimemia, Ayeba Kosala Moussala na en responsabilité, Ayeba Kobongisa. Nasi na yo kaki ba rapport rebelle, ba agent Moussousou ba Alipe, à l'origine ya immobilisation monene oto Ali Nangoana. Conscience et kokako sala. Boko kako batte la msala. Mais exhortation nangai et kosuko be na ba agente. Na talipe ba konzio bazali kokonzabino. Po ba sali ba oki ko sala msala. Na ndenge longobani. Soki gestion ezali malamute. Gestion ezali kotala ba intérêt ya ba salite. Toko kende libosote. Exhortation lelo et ali yangoana. Na ye ko luka basili na mutu ya libandi ya moto moko te. Mais moto na moto ako kako sala musala na ye. Role na ngai o mokonzi ya mboka pesi ngai ezali ya kotindi kabino. Po musala esalema malamu. Kasi, soki bobo ina tindi kabino na pusa bino toke nde liboso na ko change position na ko sala liboso na ko banda ko benda. O nyoso ako resiste toko kata singa atikali esika yali. Boyoki esese wana? Boye! Boyoki yango malamu? Boye! Donc, objectif est ali, Transco et kende liboso. Et kende liboso, na bo ipe trafic d'influence. Na kati ya compagnie, eza la ba intérêt, ya ba parti politique. Nga pe naza na parti politique mais na koya na parti politique awate. Na boy ezala ba intérêt ya tribalisme. Biso nyonso tozali na dénominateur commun ba congolais. Ozala oti nord, oti sud, ozali ya centre pe est ouest, biso nyonso dénominateur na biso commun et ali ba congolais. Congolais Congo oyo ezali patrimoine commun na biso. Na kotombe la bino vraiment bonne chance. Batu nyonso ba koka kozonga msala na kozala na ba directive. Oyo na ko communiquer na comité de gestion na bino mais bino pe lokola bokoka ko fungola miso. Porte na ngai e kozala polele. Na boyi bato ba koya na songi songi. Ya ko funda baninga na makambo ya lokuta. Soki moto, objectif na ye e ali ya ko koli sa songi songi. Aya ko buka lokuta. Na ba accusation fausse, aya pa na ngai te. Kasi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et si ka nyonso boko mona, ba comportement o ezali na logique o président de la République a pe sibisote, na logique o premier ministre a pe sibisote, na logique o na oti ko communique bino siko awate, bozali pe na devoir patriotique ya ko dénoncer ba antivaleur. Toyokani? Oui.
kolo nzambe akoka ko benisa mboka na biso po Congo toko kako bima na goigoyo ya mikolo nyoso na pauvreté aussi zingi biso toko kapeko yeba esika nyoso moto ayo sala musala akoka kozwa pe lifuta na ye akoka kozwa pe muke oye kokiko sali sa ye a vivre na liboto ya ye na ndenge ye sengeli. Merci mingi na bino nyoso. Moto na moto azonga na esika na ya musala. Et documents prescrits à bord des bus. Nous sommes là pour arrêter les antivaleurs, les vols. Donc nous sommes là pour ça. Les ministres, c'est l'autorité des tutelles. Nous avons reçu et accueilli aujourd'hui les anciens des transports, les dépôts 1. Massine a un dépôt délimité, son excellence est ministre des Transports, Chéribin Okende. Alors, il s'agissait d'abord de faire un état des lieux sur Transco, regarder les installations, comment nous fonctionnons, on regarde les objectifs et les missions qui sont confiées à Transco par l'État. Et il a amené le message du président de la République, c'est l'attention particulière à Transco, pour que le système de transport s'améliore. Et lui va impulser cela. Et nous avons apprécié qu'ils retiennent que le cap que nous devons franchir maintenant, c'est l'extension des activités en province. Nous opérons jusque-là en monde interurbain pour les, certaines provinces, mais nous devons nous étendre même en monde urbain dans les provinces. Il a aussi à l'occasion réceptionné le 11 conteneurs de pièces de rechange pour assurer la maintenance des bus. Donc voilà un peu le menu des activités de son excellence. Nous sommes très réconfortés de sa visite. Et son pragmatisme, comment il l'a fait, c'est appréciable. Ça augure un avenir meilleur pour nous et pour la population. Bon, les pièces de rechange, ça fait partie du package, du contrat avec les nouveaux bus. Parce que le concept, c'était de s'assurer que la pérennité est garantie. Il ne faut pas avoir des bus après la chaîne logistique, c'est compliqué. Vous avez des bus immobilisés. Pour une pièce, un bus va être immobilisé. Rien qu'une pièce. Alors que vous en avez des centaines dans un bus. C'est comme ça qu'on a fait les choses en professionnel et on a regardé la planification. Donc, c'est qu'on a des pièces de rechange, c'est pour assurer la maintenance dans le cadre du contrat signé entre le gouvernement et les partenaires SMT. Ngomingi totondi na mbotondi na ndenge ayeko tal ba installation transcoyer ba conditions de travail ndenge ya bongola yango na ndenge ya malamu pour des transports et logo moko important pour na mboka pour la population. A un message à mon mboka chef de l'État, président de la République, puis à premier ministre pour ba être attention mais na bongo chami solo na transco pour des populations la bien servie, c'est le peuple d'abord. En tout cas, nous sommes satisfaits d'arriver de l'excellence parce que ça tarde longtemps depuis qu'on a commencé l'établissement jusqu'à nos jours. Nous pensons que l'arrivée du ministre, ça peut aussi changer quelque chose. C'est ce que nous attendons. C'est les difficultés que vous rencontrez, c'est les difficultés. Pardon ? Difficultés. Non, il y a plusieurs difficultés, mais bon, c'est déjà établi avec notre DG, notre directeur. Il sait comment il peut et ressaisir toutes ces histoires que nous avons besoin. En tant qu'agent des transports, qu'est-ce que vous attendez du nouveau ministre? Donc, nous attendons l'apport, les nouveaux apports et l'appui pour venir nous soutenir à ces moments que nous sommes pendant le moment où on voulait relancer l'entreprise. Nous pouvons nous remercier parce que lorsque le ministre arrive sur le terrain, c'est déjà une bonne chose. Et nous, en tant qu'agents des transports, nous n'avons pas beaucoup à commenter. Principalement, c'est seulement lui informer que lorsque on lance une entreprise, on donne un fonds d'appui pour accompagner les projets. Et lorsque on relance l'entreprise, on exige l'effort double
de ce qu'on a lancé. C'est pourquoi nous, agents de Transco, nous remercions les ministres d'État pour notre visite et nous les demandons de regarder la relance de l'entreprise avec la vision du directeur DDRR2 qui signifie réqualification, redressement et développement de Transco. Nous voudrons aussi que cette vision-là soit appuyée par les ministres, surtout qu'il est notre ministre et surtout il est aussi le ministre modèle qui adopte le nom même d'un président de la République qui vient de nous quitter. Nous voudrons encore que ce nom-là puisse être Magufuli. Donc nous voudrons que vraiment ce nom-là le reflète pour que nous puissions avoir cet honneur-là. Merci beaucoup. Le ministre a eu une visite surprise. Vraiment, tu sepeli makasi. Vraiment, nenge ministre kiti awa. Vraiment, tu sepeli. Biso zaba anai. Loko la tomoni awa. Tu as vraiment besoin vraiment à tombo la biso société. Société qui n'est liboso. A terre la biso pe makambo. Oh, tu as nango an rata société. Alan de la biso. Oh, tu as la kimia. Tu as la bien pour attendre. Tu as beau. Tu as souffrir. Malgré ma biseye, mais quand même, tu as souffrir. Faut ministre le rôle ailleurs, le rôle à papa moko boye ya terrain à l'année la biso makambo vraiment pour ces sociétés Transco et Kendel Bosso. Bon, neti ndenge toza boye vraiment biso neti toza boye toza ba Jean Transco vraiment toza na besoin que toza la bien malgré que moi ba salaire na biso vraiment ils a la bien pour toza kumba ba Volvo bilan asika toza na besoin que toza la bien ba salaire na biso ils a la bien pour toza au matin na Volvo osana moi salaire na yo moyi ba ezate somona et en plus voilà c'est ça toza man a besoin vraiment vivre vraiment Transco biso salaire na biso vraiment toza vraiment réellement kimia vraiment toza la bien na hôpital vraiment social biso moi salaire na biso la bien vraiment quoi yé pe aza papa mo social et puis ba pesier combo ba nommé Magufuli, vraiment ça danger vraiment. Ma mission TV, le miroir du monde.